Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour l'avenir du pays, puisque le Parti socialiste vient d'adopter son projet pour la prochaine élection présidentielle, qui servira de base d'ailleurs aux propositions que feront les candidats socialistes dans le débat pour les primaires. Mais c'est une étape extrêmement importante. Pendant la campagne des élections cantonales, j'ai rencontré beaucoup d'électeurs qui me disaient: Mais où est votre projet? Quand est-ce que vous allez l'annoncer? C'est chose faite. Et c'est autour de ces propositions du Parti socialiste que désormais le débat va se faire. On a déjà des réactions. Le gouvernement, l'UMP n'ont pas manqué de formules plus ou moins méchantes pour dire que c'était un mauvais projet. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'il soit critiqué à droite ou à gauche, il existe, il est là. Et je préfère que le débat se fasse autour de nos propositions, même si ce débat est critique, et il est parfaitement légitime en démocratie, que autour de l'ordre du jour fixé par Madame Le Pen, ou du débat organisé par Monsieur Sarkozy sur l'islam ou l'identité nationale. Je crois que la France est face à une crise de confiance. Et elle a besoin de retrouver ses forces, elle a besoin de retrouver ses capacités pour assurer son propre avenir. Et notre conviction, nous les socialistes, c'est que même si le sentiment, et pas seulement le sentiment, la réalité pour beaucoup de Français, c'est le déclin, c'est le déclassement, eh bien notre espoir, c'est que la France se redresse, que la France sorte de l'ornière, qu'on remette l'ensemble des forces vives du pays en mouvement. À partir du moment où on est capable de réunir les Français autour d'un projet qui s'appuie d'abord sur les forces, sur les valeurs de la République. Les valeurs de la République, les principes d'égalité de tous les citoyens devant la loi, la justice sociale, tout ce qui va contribuer à rassembler les Français, les mobiliser pour que nous soyons capables ensemble de relever les défis du futur. Ce n'est pas parce qu'il y a du déficit et de la dette qu'il faudra faire reculer durablement que nous ne pouvons rien faire. Il y a des priorités. Ces priorités, évidemment, c'est la politique de l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes. C'est aussi la réussite scolaire et éducative. Et donc, c'est la question de l'éducation. Et c'est aussi toute la démocratie qu'il faut remettre en chantier, qui doit être vivante à tous les niveaux de la société. Pas seulement au sommet de l'État avec le président de la République, mais au niveau du Parlement, la démocratie politique, mais aussi la démocratie sociale, pour qu'on puisse négocier des compromis avec les partenaires sociaux. Engager les réformes nécessaires, et puis la démocratie locale, la démocratie territoriale qui est aujourd'hui bloquée. Donc si notre pays est capable de regarder l'avenir en face, avec courage, lucidité, en s'appuyant sur ses valeurs, en rassemblant les Français autour d'un projet, alors je crois qu'on sortira du sarkozysme, c'est-à-dire de l'échec dans lequel nous a conduit Nicolas Sarkozy depuis son élection.